Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des périodes les plus sombres de l'histoire de Napoléon Bonaparte, un moment qui l'a conduit de la grandeur à l'isolement total. Nous explorerons ensemble l'origine de la célèbre citation « Il n'y a rien que nous puissions faire » attribuée à Napoléon, et découvrirons comment ce grand conquérant a finalement succombé à un sentiment de désespoir et de nihilisme sur l'île de Sainte-Hélène. Préparez-vous à un voyage fascinant à travers l'histoire et les leçons qu'elle peut nous offrir aujourd'hui. « Il n'y a rien que nous puissions faire » est une citation attribuée à Napoléon, mais vous l'avez probablement vue dans une version éditée, accompagnée d'une musique, avec un sens modifié. Mais d'où vient cette citation? Et surtout, pourquoi ne pouvons-nous rien faire pour répondre à ces questions? Pour comprendre, il faut plonger dans la chute de Napoléon. Après une invasion ratée contre la Russie, Napoléon a proposé de renoncer à son rôle de dirigeant en faveur de son fils. Cette offre a été rejetée et il a été contraint d'abdiquer et exilé sur l'île d'Elbe. Vous pourriez penser que c'est là que la citation et le mythe ont pris naissance, mais ce n'est pas le cas. Il réussit à s'échapper de son exil à Elbe et retourna à Paris où il retrouva des partisans et reprit son titre d'empereur. Cette période est connue sous le nom des 100 jours. Peu de temps après, en juin 1815, Napoléon fut à nouveau vaincu lors de la sanglante bataille de Waterloo, marquant la fin de la domination de la France en Europe. Cela le conduisit à abdiquer pour la seconde fois. Mais cette fois, c'était différent. Les Britanniques avaient besoin d'une prison pour l'homme le plus puissant du monde, un endroit bien plus éloigné qu'Elbe, où l'idée d'évasion serait impensable. Leur réponse se trouvait dans l'Atlantique Sud, une petite île à 1000 miles de la côte africaine, juste un point minuscule sur la carte du monde. Napoléon et son état-major loyal se rassemblèrent sur le pont pour avoir un aperçu de leur nouvelle maison. Ils étaient des militaires et savaient une chose avec certitude, il n'y aurait aucune possibilité de secours, aucune possibilité d'évasion. Ils étaient là pour de bon, et Napoléon déclara d'un ton amer, « C'est un endroit peu agréable ». Les Britanniques avaient même 3000 hommes qui gardaient Napoléon en permanence. Napoléon rejetait le terme de « prisonnier de guerre ». Il se considérait plutôt comme un prisonnier d'État. Ressentant l'injustice d'être piégé sur cette île illégalement, il s'installa rapidement dans une routine, se levant tard, généralement vers 10h du matin pour, eux, prendre son petit déjeuner. Mais il quittait rarement sa maison, Longwood. Il était libre de se déplacer sur l'île tant qu'il était accompagné d'un officier anglais. Mais pour Napoléon, cela devint insupportable, le menant à devenir un reclus, refusant de quitter sa maison. Comment occupait-il ses journées en tant que reclus ? Il écrivait beaucoup, complétant ce qui allait devenir un mémorial entier avec l'aide de son secrétaire. Vers 19 ou 20 heures, il dînait, après quoi il aimait écouter des livres classiques lus à voix haute. Ensuite, il jouait généralement aux cartes. Le climat et la nourriture de Sainte-Hélène étaient assez agréables, malgré l'emplacement isolé au milieu de l'océan Atlantique. Napoléon mangeait bien et en grande quantité, et profitait d'un temps agréable. Il reçut même des centaines de visiteurs sur l'île entre 1816 et 1817. Tout cela semble plutôt plaisant, n'est-ce pas? Eh bien, que ce soit à cause du changement radical de style de vie ou du sentiment constant d'isolement sur l'île, la santé mentale de Napoléon se détériora rapidement. Il essayait de maintenir son apparence sous contrôle, voulant être perçu de manière aussi digne que possible en présence des visiteurs. Bien qu'il ne soit qu'un prisonnier, il passait apparemment quelques heures par jour dans sa baignoire, probablement en train de réfléchir et devenant de plus en plus pessimiste au fil des jours. À ce stade, quelqu'un lui demanda « N'y a-t-il vraiment rien que nous puissions faire, monsieur ?» Ce à quoi Napoléon aurait répondu à son état-major « Il n'y a rien que nous puissions faire à ce sujet. » L'homme était devenu nihiliste et sans espoir. La philosophie du nihilisme repose essentiellement sur la croyance en rien. Elle rejette les aspects fondamentaux de l'existence humaine comme la connaissance, la morale ou le sens, affirmant que la vie est intrinsèquement dénuée de sens et qu'il n'y a aucun intérêt à faire quoi que ce soit. Mais nous devons nous révolter contre le nihilisme, et ne pas devenir comme Napoléon à Sainte-Hélène. Il existe une grande citation contrastante de Mustafa Kemal Atatürk, « Il n'y a pas de situation désespérée, il n'y a que des gens sans espoir. Je n'ai jamais perdu espoir. » Certes, la vie peut souvent sembler dénuée de sens, mais c'est notre réaction à ces circonstances qui scellent notre destin. L'empereur a simplement abandonné et s'est vu dans une situation véritablement désespérée. Mais nous ne pouvons pas faire comme Napoléon, en perdant totalement espoir.
l'esprit humain prévaut toujours. C'était un grand homme qui a presque conquis le monde entier, mais qui a finalement sombré dans le désespoir. Nous ne devons pas tomber dans le piège du nihilisme sans espoir, même si cette pensée peut être une solution facile, voire réconfortante. Le 5 mai 1821, Napoléon se trouvait sur son lit de mort à Longwood, vaincu et sans espoir. Ses derniers mots à Sainte-Hélène auraient été « Je souhaite que mes cendres reposent sur les bords de la Seine, au milieu de ce peuple français que j'ai tant aimé. Je meurs avant mon heure, tué par l'oligarchie anglaise et ses assassins à gages. » Et voilà, c'était l'histoire tragique de Napoléon Bonaparte et son déclin vers le désespoir à Sainte-Hélène. Cette citation « Il n'y a rien que nous puissions faire » nous rappelle l'importance de ne jamais perdre espoir, peu importe les circonstances. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations historiques, et de partager vos pensées dans les commentaires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'histoire.